Faire ses deuils, décider ce qu'on veut vraiment, décider d'agir, puis être flexible si ce que je fais ne fonctionne pas. Voilà à peu près résumé la démarche pour progresser dans un changement. La troisième étape de la transition psychologique, ben, c'est la réorientation. Ici, le changement il est accepté, il est intégré. Il y en a même qui vont voir les avantages du changement, ce qui est souvent impossible aux phases précédentes alors qu'on est plus en contact avec les pertes, avec la confusion. Il y a des personnes qui vont passer à travers les deux premières phases, mais qui vont geler à la troisième. Pourquoi? Parce qu'elles requièrent de se comporter d'une nouvelle façon. Et ça met à l'épreuve notre sentiment de compétence. Je vivais seule. Je venais de perdre ma mère dans d'atroces souffrances. Mon cœur était déjà en mille miettes. Puis, au retour de mon congé de deuil, on m'annonçait que le travail qui me tenait tant à cœur, le travail dans lequel je m'étais tellement investie, mon travail de chef d'équipe était tout simplement confié à un autre à cause de la fusion des deux ministères. Encore un choc de trop. J'avais peu de temps pour me retourner, juste une semaine. Je ne savais plus où j'en étais. Question de survie, je choisis de prendre un congé à traitement différé et de consulter une thérapeute. Je devais d'abord trouver le moyen de surmonter mes deuils. J'avais l'impression qu'ils faisaient ressurgir les autres deuils, les autres épreuves de ma vie. C'était étouffant. Je devais aussi retrouver l'équilibre dans ma vie. Trop de vie professionnelle, pas assez de vie personnelle. Le changement dans l'organisation m'amenait à remettre ma façon de vivre en question. J'ai décidé de prendre les choses une après l'autre. J'ai lâché prise. J'ai profité de mon congé pour me remettre en forme, pour commencer à peindre, pour voyager. J'étais plus disponible pour mes amis, moins fatiguée, plus réceptive, quoi. J'avais l'impression de revivre. J'entrevoyais même déjà comment concilier amitié, loisirs, travail. Je me suis sentie déplacée comme un pion sur un échiquier. Je comprends toujours pas comment c'est possible, mais au moins, ça m'a permis de retrouver l'équilibre dans ma vie. J'occupe maintenant un travail qui fait appel à ma créativité, un travail qui laisse sa juste place à ma vie personnelle. L'équilibre me permet de surmonter mes deuils, de relativiser les choses. L'équilibre est l'appui de l'homme de ma vie. Et non, maintenant je ne suis plus seule. J'avais l'impression de revivre, dit Catherine. Est-ce que c'est pas la preuve que même dans des tempêtes, il y a de l'espoir? J'ai vécu des choses très difficiles et de nombreux deuils en si peu de temps. Le décès de ma grande sœur, la deuxième de mes sœurs emportée par le cancer, une relation amoureuse drainante, la maladie, le départ de mon patron avec qui j'avais une très belle complicité. Puis, après mon congé de maladie, un retour au travail déstabilisant puisqu'on m'offrait un emploi avec moins de responsabilités qui ne faisait pas appel à toutes mes compétences. Pendant mon congé de maladie, j'ai découvert que je n'étais pas atteinte du cancer, mais que c'était le stress qui avait causé tous mes malaises physiques. Je me suis ouverte à mes amis et j'ai consulté un psychologue pour mieux traverser mes deuils. Enfin, je me suis inscrite à un concours pour m'aider à trouver un nouvel emploi. J'ai appris à mieux gérer mes émotions et j'ai appris aussi à traverser les épreuves difficiles de la vie. Je suis devenue plus sûre de moi. Je sais ce que je veux, je sais ce qui me convient et je suis déterminée à cheminer dans cette voie. Je ne veux plus revivre un moment de stress aussi intense et retomber malade. Le résultat du concours auquel j'avais participé est arrivé et j'avais réussi. J'ai obtenu une belle promotion qui, au fil du temps, m'a conduite vers un emploi qui me convient vraiment. Un beau défi, une belle équipe. Les relations humaines sont importantes pour moi. Je peux dire qu'actuellement, avec mon nouveau patron, j'ai une belle complicité. J'ai mis fin à cette relation amoureuse qui me minait tant. Et peu de temps après, j'ai rencontré mon âme sœur. Je suis pas mal plus sereine pour traverser mes deuils. Je n'interprète plus le moindre symptôme physique comme le signe évident d'une maladie grave. Je suis moins fataliste.
j'ai quitté le chemin de Damas. Bien sûr, j'ai touché le fond. Mais mon séjour au fond du puits m'a rendue plus forte. Et si ces crises nous donnaient l'occasion de recontacter nos valeurs, de faire du ménage dans ce qui est important pour soi, finalement, de mieux investir son temps? Je vis le bug de l'an 2000, mon propre bug, quoi. Je suis gestionnaire et une grande partie de mes employés sont occasionnels. C'est l'année des concours réservés, un moment de grande tension, d'intense fébrilité. J'essaie de mobiliser mon personnel, mais cela est mal perçu par les employés et la situation dégénère. Je suis remis en question. Mon patron me demande ce que je veux faire dans la vie. Le choc passé, je réfléchis. C'est très clair pour moi. Je veux être gestionnaire. J'ai accepté d'être entre parenthèses pendant un moment. Mais j'ai jamais baissé les bras. J'ai découvert que j'avais une grande capacité d'adaptation. On m'avait confié un mandat en attendant, je l'ai mené à bien. Pour moi, il était hors de question de rester sur une voie de desserte. Je m'étais fabriqué une petite routine quotidienne. Ça m'aidait à m'accrocher, à passer au travers. Un an plus tard, on me confie un nouveau mandat de gestion. Enfin, j'entretiens une bonne relation avec mes employés, mais je ne m'investis plus émotionnellement comme avant. J'ai réalisé qu'il n'y avait pas que le travail qui permet de se valoriser dans la vie. Je m'occupe maintenant du club de hockey de mon fils. Je ne vois plus ce qui m'est arrivé comme un échec. J'ai choisi de tourner la page. Pour moi, ma famille est importante, ma santé, mon équilibre. La réorientation, elle implique des nouvelles connaissances, des nouvelles habiletés, des nouvelles valeurs parfois, des nouvelles attitudes, une nouvelle identité finalement. On s'est refait une identité qui incorpore les changements. C'est sa zone de confort qu'on retrouve progressivement ici, sa sécurité, son efficacité. Par exemple, Catherine est à l'aise maintenant dans son nouveau travail. Elle constate qu'elle peut même y exercer sa créativité. Elle apprécie aussi l'espace qu'elle peut donner à sa vie personnelle. Louise s'est habituée à une nouvelle équipe. Elle sent même la complicité avec son nouveau patron. En plus, elle a rencontré l'âme sœur. Julien, comme il l'a dit, est confortable dans son nouveau mandat de gestionnaire. Vous avez entendu, tous les trois ont retiré une expérience de ces changements qu'ils n'avaient pas avant. Ils ont progressé dans les changements. Tous les trois parlent maintenant d'un équilibre précieux à préserver entre leur vie au travail et leur vie personnelle. Ils ont très bien illustré, chacun à leur manière, qu'on peut peut-être pas toujours contrôler ce qui arrive, mais qu'on peut travailler sur notre façon d'y réagir puis de l'interpréter aussi. Puis, il y a des personnes qui ont aussi des croyances qu'on aurait intérêt à développer dans les changements puis qui les aident à traverser les changements importants et à donner un sens à ce qui leur arrive. Par exemple, croire que peu importe ce qui arrive, il y a peut-être quelque chose de bon à en tirer, qu'avec le temps, on passe au travers de tout si on s'implique vraiment. Croire que si on veut, on peut. Croire qu'on trouve toujours les ressources pour passer à travers n'importe quelle épreuve, que rien n'arrive pour rien. En fait, ces croyances-là aident à sortir du sentiment malsain d'être victime. Puis en terminant, j'aimerais insister sur un outil majeur et commun, non seulement à Catherine, Louise et Julien, mais à tous ceux et celles qui réussissent à traverser des périodes difficiles, les autres. Que ce soit dans leur vie privée ou au travail, tous ceux qui s'en sortent le mieux soulignent l'importance des autres afin d'obtenir de l'aide, du soutien, de l'encouragement. Le fait d'entendre des gens significatifs nous encourager a toujours un impact considérable sur notre état d'esprit. Le fait aussi de pouvoir se confier à des gens aide à voir clair. Encore faut-il savoir utiliser les ressources existantes. Et il y en a. La famille, certains compagnons de travail, les gens qui nous reconnaissent et qui nous aiment, les amis intimes. Puis parfois, il faut aussi avoir recours, puis pourquoi pas, à des personnes ressources, à des gens à l'extérieur, à des professionnels de l'aide, au programme d'aide aux employés. Mais pour ça, il faut être capable d'afficher ses besoins. Pas feindre d'être au-dessus de tout quand ce n'est pas vrai. Il faut savoir demander le soutien dont on a besoin. Il faut le voir aussi lorsqu'il est offert et savoir recevoir l'aide. Prendre ce que les autres nous donnent. Plusieurs ont l'impression parfois d'être coincés dans des montagnes russes sans l'avoir choisi. Il n'y a pas grand-chose d'agréable dans ça.
Mais face à cette situation-là, on a trois choix. Ou bien on résiste, on se raidit, on se tend, on crie, on pleure, ce qui finalement est bien humain. Ou bien on démissionne, on déprime, on abandonne, on se laisse balloter, on se laisse secouer sans réaction. Ou bien on décide d'accepter l'inévitable de la situation, de faire corps avec la voiture dans laquelle on est monté, d'avoir confiance qu'on va arriver à bon port et de s'engager dans les virages en même temps que son véhicule. Les moyens que nous vous avons présentés et que Catherine, Louise et Julien vous ont illustrés y ont fait leur preuve. Ils permettent de vaincre l'illusion de ne pas avoir le choix et de faire de l'adaptation au changement une mission possible. Comme le dit Louise, j'ai peut-être touché le fond, mais ça m'a rendu plus forte.